Hey les potos, du coup on se retrouve pour la deuxième partie du défi filtre d'amour. Et oui les potos, du coup livrez le filtre d'amour à Sœur Puissante ou à Fangeville. Alors on va aller à l'endroit le plus simple, du coup on va aller à Fangeville, sachant que Sœur Puissante étant une ville, du coup, et ben ce sera beaucoup plus dur d'y accéder, ainsi beaucoup plus dur aussi d'y survivre. Du coup on va aller à l'endroit le plus facile, on va aller à Fangeville, et c'est juste à côté de Sœur Puissante. Juste avant ça les potos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo les potos, et à mettre le code créateur Bukuni dans la boutique, ça nous soutiendrait énormément. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci, 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 merci encore. Les potos aussi, juste avant, je suis désolé, je vous prends un petit peu une minute de votre temps. C'est parce que regardez du coup dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc voilà, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet communauté. Et ici du coup les potos, j'ai lancé un tournoi de manga et d'anime. Donc voilà, tous ceux qui veulent, n'hésitez pas donc à citer sous ce post communautaire donc trois animés que vous préférez. Ça peut être n'importe quoi, Pokémon, n'importe, ok. Donc trois mangas ou animés que vous préférez. Et n'hésitez pas du coup à défendre les meilleurs. Donc voilà, je prendrai les 32 mangas les plus cités, et après on fera du coup un petit concours pour savoir lequel est le meilleur. Donc voilà, n'hésitez pas à défendre votre petit poulain sous ce post communautaire. Et sur ce les gars, let's go, on va du coup sur le défi. Alors pour ce défi c'est très simple, vous pouvez voir du coup on a la ville de Slurpy juste ici, et juste à côté du coup on a Fongeville. On va y aller du coup, le filtre d'amour sera du coup dans le milieu, donc voilà, donc dans la cabane la plus grosse, d'accord. Donc voilà, voilà, comme je vous l'ai dit, du coup, le plus gros bâtiment, tout simplement. Vous rentrez à l'intérieur et du coup, vous pouvez poser du coup le filtre d'amour juste en face. Voilà, il y a le petit nounours, etc. Voilà, vous pouvez du coup interagir. Hop, et voilà, le défi est passé. En plus, je passe niveau 160, tout nickel. Donc voilà. En tout cas, sur ce, les potos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et du coup, on se retrouve dans de prochains défis Fortnite. Et sur ce, ciao !